image à présent, le gouvernement kényan a entamé des négociations avec un consortium pour la construction d'un barrage géant pour un investissement de 425 milliards de shillings, soit 2,9 milliards de dollars, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ce barrage aura un volume estimé à 5,6 milliards de mètres cubes pour irriguer environ 161 870 hectares. Un projet qui comprend également la construction d'une centrale hydroélectrique d'une capacité de 1000 MW. L'ouvrage d'art hydraulique qui traversera le plus long fleuve de Kenya devrait être le deuxième plus grand projet d'infrastructure du pays après la construction par la Chine d'un chemin de fer à écartement standard d'une valeur de 5 milliards de dollars.